Bonsoir, alors je vous retrouve pour une vidéo détente et bien-être. Donc en toute simplicité, voilà, j'ai décidé de faire quelques vidéos pour vous présenter des produits que j'utilise pour le bien-être et pour la détente. Ce soir, là, j'ai décidé de commencer par les barres de massage, et notamment les barres de massage de chez Lush. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Alors, donc il y a l'année dernière, j'ai découvert les barres de massage de chez Lush et je suis tombée vraiment sous le charme de ces produits. J'en ai acheté une tout d'abord pour pouvoir tester et comme j'ai fait d'autres petits achats, j'ai eu le droit de choisir des échantillons et parmi ces échantillons, il y avait la barre de massage, une barre de massage qui s'appelle le haricot magique et je n'ai pas hésité à la prendre car les vertus de cette barre de massage m'ont tout de suite plu et je me suis dit que ça me serait très utile. Donc je vais d'abord commencer par vous présenter celle que j'ai achetée. Donc c'est la Chimie Chimie qui se présente comme ceci. Donc c'est un petit cœur qui sent la vanille, qui sent le chocolat, comme vous pouvez voir à l'intérieur. Voilà, donc cette barre de massage est censée donc adoucir la peau, vous donner éclat et vous illuminer la peau. Alors, elle contient de la vanille, des paillettes roses dorées, du beurre de karité. Alors, j'ai pris quelques notes parce qu'il y a tellement de choses à retenir. Donc du beurre de karité, de l'huile essentielle de sauge ciarée, de l'huile de lavande, de la résine de benjoin. Alors, la résine de benjoin, j'ai regardé un petit peu ce que c'était. Et en fait, c'est un baume ou résine qui provient de diverses associations en fait, de plantes. Et elle contient donc du beurre de cacao, d'où le chocolat. Donc, cette barre de massage, vous pouvez l'utiliser pour vous hydrater aussi la peau, si vous voulez un petit côté satiné sur tout le corps. Pour le plaisir, si vous êtes à deux, de vous faire un petit massage pour vous détendre. Voilà, c'est quelque chose de très agréable à utiliser et qui sent très très bon. Et ensuite, la barre de massage que j'ai choisi, donc s'appelle le haricot magique. Donc c'est voilà, j'en ai eu la moitié. Ça se présente comme ceci. Normalement, ça a une forme donc ovale. Voilà. Elle sent très très fort. Il faut vraiment aimer cette odeur parce qu'elle est à base d'épices et de menthe. Donc c'est vrai que si on n'aime pas ces odeurs, ce n'est pas la peine d'utiliser et de prendre cette barre de massage. Parce que ça sent vraiment très très fort. Alors, pourquoi cette barre? Tout simplement parce que voilà, elle est à base d'huile essentielle de menthe, d'huile essentielle de menthe poivrée, de beurre de cacao, de beurre de karité, d'huile de jojoba et d'huile de cacao extra vierge, de coco, pardon, extra vierge. Alors, les huiles de menthe poivrée, ce sont des huiles qui sont faites en fait pour vous détendre, pour vous décontracter et voilà, alors cette barre étant à base d'épices chauffantes pour vous soulager le corps et les muscles endoloris. À la première application, quand vous l'utilisez, cela a un petit effet un petit peu chauffant, comme si vous étiez près d'un radiateur. Et cela vous détend énormément. C'est vrai que si vous avez des petits soucis de dos, si vous avez fait une activité physique, que vous avez fait du sport, ou alors que vous avez fait dans la journée, ça peut être un déménagement, porter des choses lourdes ou des faux mouvements. Cette barre de massage est vraiment idéale. Alors, comment utiliser toutes ces petites barres? Tout simplement, il vous suffit de la prendre, de vous la frotter entre les mains. Voilà, comme ceci, je ne vais pas le faire entièrement. Et en fait, vous allez avoir. Normalement, vous devriez voir, ça va briller un petit peu, le produit qui se dépose sur les mains et ensuite vous pouvez vous masser le corps. Et alors, ça pénètre bien, vous n'avez pas du tout de zone grasse après. Pour celle-ci,
Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas l'odeur qui vous reste dessus. Ça pénètre assez vite et ça soulage vraiment énormément. Alors, je vais juste vous montrer quelques mouvements que l'on peut faire tout seul si on a besoin de se détendre au niveau du dos, du bas du dos. Donc, je vais juste vous montrer les mouvements que vous pouvez faire. Donc, tout simplement, vous vous installez le plus droit possible. Alors, je vais mettre un petit peu de profil pour vous montrer. Vous mettez vos mains sur... Alors, je vais essayer de faire... Voilà, normalement, vous devez mieux. Les mains comme ceci, sur le bas du dos. Vous n'avez pas besoin d'appuyer. Avec la barre de massage, ça va glisser tout seul. Et vous faites, en fait, des mouvements circulaires comme ceci, de chaque côté de la colonne vertébrale. Sans trop appuyer, vraiment tranquillement, pour vous détendre. Si vraiment vous avez mal, vous pouvez appuyer un tout petit peu plus, mais dans ces cas-là, vous faites des petits mouvements, mais sur place, et vous remontez tout doucement. Voilà. Ensuite, un deuxième mouvement que vous pouvez faire, c'est tout simplement remonter comme ceci, et en étirant vers les côtés. Voilà, toujours en étant de chaque côté de la colonne vertébrale, tout simplement, voilà. C'est aussi un mouvement qui va vous détendre, qui va vous aider à faire pénétrer aussi le produit. Comme tous ces mouvements, surtout vous n'appuyez pas trop, évitez de vous toucher au niveau de la colonne vertébrale. Restez tout simplement, essayez de bien rester sur les côtés. C'est quand même important d'éviter cette zone-là. Moi, je vous montre juste des mouvements de détente que je vais faire aussi très bien sur des clientes. Et ce sont des mouvements qui sont vraiment très faciles à faire toute seule, chez soi, quand on a mal au dos. Ensuite, vous pouvez faire le mouvement comme ceci. Donc, bien sûr, vous frôlez, vous appuyez pas. Voilà, c'est pareil. Ce sont des mouvements qui vont vous chauffer le dos, chauffer le produit et apporter détente et décontraction. Comme ça, voilà. Alors, ce ne sont que quelques petits mouvements, c'est très léger, mais voilà, je voulais vous faire partager cette petite technique, vous faire connaître donc ces barres de massage. Alors moi, je les ai mis dans des petits perroirs comme ça pour ne pas les abîmer. Sinon, Lush propose des petites boîtes exprès pour pouvoir les garder. Alors, vous en avez pour une durée... désolé le téléphone. Vous en avez pour vraiment une durée indéterminée. Là, celle-ci, je l'ai déjà utilisée une bonne dizaine de fois et franchement... elle n'a pas du tout fondu je ne sais pas encore pour combien de temps j'en ai, mais je pense pour un petit moment. Donc voilà pour cette petite vidéo spéciale détente. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en barre d'infos vos commentaires, me dire ce que vous en avez pensé, s'il y aurait d'autres produits que vous aimeriez que je vous présente. Si la petite technique que je vous ai montrée vous aide et vous apporte un petit soulagement, bien, j'en suis ravie. N'hésitez pas à me le mettre non plus en commentaire. Si vous aussi vous connaissez les barres de massage, que vous les avez utilisées ou que vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me le dire aussi. Je serai ravie de lire si vous avez fait des articles ou si vous avez fait des vidéos. Je suis toujours preneuse pour de bonnes adresses de bons produits comme ça. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt, puis prenez soin de vous.